Madame, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Centrale Radio et Télévision pour les comptes de votre magazine Couronne Blanche. Couronne Blanche, c'est cette émission que vous avez le privilège de suivre tous les jours, les dimanches à pareille heure sur les ondes de la Centrale Radio et Télévision. La couronne se repose toujours sur la tête d'une personnalité de taille, de la montagneuse du délicacy, la province, mais également la République démocratique du Congo, avec laquelle on tente d'analyser des fonds en comble un ou plusieurs sujets qui dominent l'actualité sociopolitique au niveau de la République démocratique du Congo, la province, mais également la montagneuse ville délicacy. Ce soir, la couronne doit devoir se reposer sur la tête d'une personnalité de taille qui est président fédéral du parti politique ACR, Action commune pour la République, Action citoyenne, bien évidemment, pour la République, c'est parti cher à Déco Eliezer au niveau de la République démocratique du Congo, qui lui dirige au niveau de la montagneuse ville délicacy. Au-delà de cet aspect des choses, il est aussi président national de la SBL Wakati Edou. Il aura le temps nécessaire de pouvoir éclairer la lanterne de la population de la montagneuse ville délicacy. Et au-delà de cet aspect des choses, on va tenter de le présenter aussi en tant que un homme qui s'implique beaucoup plus dans les actions caritatives, cadre au sein des Lions Sacrés de la Nation, ville délicacy. Il est notre invité. Lui, c'est M. Jean-Rémy Kanyama-Moubière. C'est lui, notre invité de ce énième numéro de votre magazine Couronne Blanche. C'est sur lui que la couronne doit devoir se reposer. Ce soir, il aura le temps nécessaire de pouvoir éclairer la lanterne de la population de la montagneuse ville délicacy sur plusieurs questions, dont la première concernera beaucoup plus le fait qu'il est candidat à la députation nationale comme provinciale au niveau de la montagneuse ville délicacy. Pourquoi avoir choisi d'être candidat à la députation nationale comme provinciale? Au-delà de cet aspect des choses, il tentera d'éclairer la lanterne de la population délicacienne sur les bilans, l'impact du développement, du programme du développement des 145 territoires sur les bilans de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que le développement des 145 territoires impacte positivement ou négativement les bilans de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? On va devoir en parler encore une fois de plus autour de cette thématique sur les ondes de la Centrale Radio et Télévision. Et si le temps pourra nous le permettre, on va évoquer aussi des petites questions liées à l'escalade verbale constatée entre acteurs politiques de la République démocratique du Congo, surtout les candidats à la présidence de la République. Il cesse de se lancer des pics, d'autres questions d'actualité qui seront évoquées. C'est les avancées significatives du mouvement mystico-religieux dit Wazalendo, qui ne cesse de récupérer des contrées qui étaient autrefois occupées par les rebelles du M23. Que cachent les secrets ou les actions que mène le Wazalendo au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo? On va évoquer aussi cet aspect des choses. Voilà l'essentiel, bien évidemment, des thématiques qui seront abordées au cours de ce énième numéro de votre magazine Couronne Blanche sur les ondes de la Centrale Radio et Télévision. Monsieur Jean-Rémy Kanyama-Moubière, bonsoir. Bonsoir, monsieur le président. Merci de me recevoir dans votre émission. Vous allez bien? Ça va. Mon Dieu, ça sent bien. Ça faisait longtemps qu'on vous a reçu sur cette plateau. C'était quoi la raison? Vous avez abandonné la politique? Non. Nous avons plusieurs actions. Ce n'est pas que la télé. Nous sommes sur le terrain. Nous sommes dans beaucoup d'autres choses avec notre Wakati. Nous sommes cherchant à donner sourire à la population sans pour autant chercher à avoir la télé avec nous. Et quand c'est nécessaire, on est là. Quand c'est nécessaire, vous êtes là pour servir la population de la montagneuse ville délicacy. Alors, on vous reçoit parce que vous êtes premièrement candidat à la députation nationale comme provinciale. Pourquoi avoir choisi d'être candidat? Non, parce que d'abord c'est ma vie, c'est avant tout ça. Et puis pourquoi? C'est parce que j'ai vu qu'il était temps, n'est-ce pas, de chercher à se mêler. Lorsque vous laissez la politique faire son chemin avec tous ses habits, hein, vous vous subissez. Maintenant, moi je refuse de subir et je refuse à ce que tous ceux qui sont autour de moi subissent, parce qu'il y a plus de médiocrité. La Bible dit que quand les justes attendent, hein, le projet réussit. Donc moi je pense que je ne me jette pas de fleurs, mais je pense que la justice doit régner dans ce pays, n'est-ce pas?
la ville m'envoyait une personne, je ne serais jamais de les yeux, c'est une ville qui était le miroir même de la province. C'est une ville que tout le monde a envié, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est devenu la risée même de la République, n'est-ce pas? Où la pauvreté, vraiment, on n'y a pas des mots pour les calculer. Pour toutes ces raisons, on s'est dit, le député, c'est quelqu'un qui est là pour la voix de la population. On aura le temps d'évoquer, bien évidemment, les rôles que devrait jouer un député au niveau de la République démocratique du Congo. Mais la population qui nous suit m'a mandaté. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été, je me reconnais comme étant les porte-parole de cette population, de la montagneuse du Délicacy. Elle se pose la question. Surtout pour les candidats qui ont ou qui postulent à la députation nationale comme provinciale. Une escroquerie que vous voulez faire à la population lécassienne en alignant soit c'est vos femmes, soit c'est vos petits frères, cousins, cousines, comme premier suppléant. Pourquoi? Parce qu'une fois vous êtes élu à la députation nationale comme provinciale, c'est la femme qui vous remplace, ou c'est le petit père, ou c'est la petite sœur. Une escroquerie. Bon, merci. Ou bien par manque de candidats convaincants au sein de votre formation politique. Bon, je dois déjà parler de moi. Moi, je crois que c'est la question de bien tomber. Nous, dans notre regroupement 4AC, nous sommes 11 partis politiques. Je ne sais pas ce que font les autres, mais en ce qui concerne l'action commune de la République, nous disons dans notre slogan que nous voulons faire la politique autrement. Nous prenons le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas besoin d'aller chercher ma femme, ni ma nièce, ni quiconque pour être mon suppléant. N'est-ce pas? Vous avez remarqué que ceux qui sont suppléants derrière moi n'ont rien à voir avec ma famille biologique. Et moi? Oui, non, ça n'a rien à voir. J'ai un pasteur qui n'a rien à voir avec qui nous n'avons même pas le même village. Qui est là comme mon premier suppléant, j'ai la femme d'un pasteur qui aussi il est passé dans certaines de vos émissions, qui est ma suppléante au provincial, c'est la même chose. Donc ça n'a rien à voir. Nous ne cherchons pas, nous prenons les gens à la mérite de ce qu'ils font. Nous ne venons pas ici pour, vous avez évoqué le problème de scroquerie, je suis désolé. C'est parce qu'on a dénaturé la fonction ou les rôles d'un député national. C'est quoi les rôles d'un député? D'abord, je dois dire. Un député, c'est pour parler, c'est la voix, c'est porte-voix de la population qui vous a élu. C'est pour voter des lois et aussi pour contrôler le pouvoir exécutif, c'est-à-dire contrôler ceux qui gouvernent. C'est pour leur dire, attention, il y a un problème là-bas, est-ce que vous allez voir, est-ce que vous pouvez corriger? Parce que le député n'a pas l'argent. On a voulu montrer, on a dénaturé cette fonction parce qu'on a mis n'importe qui aujourd'hui qui est devenu député, qui passe 5 ans dans l'hémicycle là-bas et qui n'a rien fait. Vous voyez? Qui n'a même pas parlé au nom de la population qui l'avait mandaté. Alors ça, c'est dénaturer la fonction. Ainsi, la population pense qu'être député, c'est être un homme avec beaucoup d'argent. Un député, c'est comme un DG, comme vous. Vous êtes DG. Vous gérez, mais un député ne gère pas. Un député, c'est un envoyé pour parler au nom de la population qu'il a mandaté. Et chaque fois, il va rentrer à la base pour parler, regarder quels sont les problèmes cruciaux qui sont au niveau de la base, les remonter au niveau de national ou provincial, et ainsi pousser l'exécutif qui est le gouvernement. C'est le gouvernement qui gère l'argent du pays. C'est au gouvernement maintenant de s'intéresser aux problèmes que le député a posé pour venir résoudre ces problèmes à la base. Alors, si vous avez maintenant un député qui ne parle pas de ces problèmes, un député qui court derrière les motions, qui court derrière des missions, finalement, il n'a pas le temps de s'intéresser à la population. Voilà pourquoi il y a un décalage total. Donc, M. Jean-Rémy prétend que, depuis 2006, l'ICASI n'a jamais élu des députés qui parlent ou qui défendent l'ICASI. 2011, l'ICASI n'a pas élu des députés convaincant ou qui pouvait parler au niveau de la Chambre basse du Parlement. 2018 non plus. Donc, si l'ICASI ne se développe pas, c'est parce que l'ICASI n'a pas eu des députés qui parlent au Parlement. Mais l'ICASI n'a eu que des députés qui font des actions caritatives. Bon,
Je n'ai pas dit ça. C'est un peu impie. Je n'ai pas dit ça. J'ai du respect envers mes aînés. Mais vous dites quand même que les députés sont en train de pourrir derrière l'émotion, derrière l'argent. Le constat que j'ai fait ici, c'est un constat général. Ce n'est pas seulement un constat pour la vie délicatie. C'est un constat général. On constate que tout le monde se plaint, n'est-ce pas? Moi, j'entends, tout le monde se plaint. Je ne veux pas trop revenir sur ceux qui sont dont les mandats sont. Je ne suis pas venu ici pour parler d'eux. Je suis venu seulement faire un constat tel que si vous ne faites rien pour vous-même, qui viendra faire quelque chose pour vous? Si vous ne parlez pas de votre vie, si vous ne parlez pas du développement de votre vie, qui viendra parler de ça? Moi, je ne sais pas. Je ne reconnais pas. Je n'ai pas vu. Si quelqu'un a vu, il peut nous faire, nous montrer, comme Eliezer Tambolé fait sur ses émissions. Je n'ai pas vu. Par exemple, je vous donne un exemple. Je prends un exemple. Il y a dans cette ville ici plus une centaine de retraités, des papas qui sont retraités de la Gécamine, qui ont été envoyés en retraite en 2015, en 2016 et en 2017. Ces papas, aujourd'hui, à l'époque, je parle de 2015, ils avaient 65 ans, en moyenne, pour ceux qui sont partis, parce qu'il y a eu des départs anticipés, il y a eu des départs négociés. Mais tous ces papas sont partis d'une manière générale, ils n'ont jamais touché ce qu'on appelle le capital pension. Ça veut dire que certains, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais touché leur... vous voyez, quand on travaille, on contribue à ce qu'on appelait anciennement l'INSS. On contribue à ça, on nous poursuit le salaire, on dépose. C'est cette pension qui va nous aider, c'est une prime. En fait, c'est notre salaire, mais on nous aide à vivre une retraite décente. Mais c'est papa, ses aînés, c'est nos papas et grands-pères qui sont partis à cette période, jusqu'à aujourd'hui, ces papas n'ont jamais touché leur argent, ou certains ont touché des montants mal calculés. Vous imaginez que ce papa, certains d'entre eux sont en train de mourir. Je suis allé voir l'un en Pada, qui est décédé, mais sa famille, bien sûr. On est allé les rendre visite. Mais ces papas sont venus me voir. Moi, je ne suis pas député. Ils m'ont suivi, parce qu'ils m'ont suivi les discours que j'avais ici sur ce chef, avec leurs documents. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ces documents, je suis allé jusqu'à Kinshasa, pour lever la voix sur ces dossiers ici. Et au moment où je vous parle, les dossiers au Parlement. Et les airs vont en parler bientôt. Nous avons été voir le PDG de Gécamine. Vous comprenez? Ce sont des choses. Vous voyez, moi, je n'ai pas le pouvoir, je ne suis pas député. Mais déjà, je me dépense par les soucis de ces papas qui nous ont fait étudier. Parce que c'est grâce à eux que nous avons pu être à l'école. Ce sont nos grands-parents, ce sont nos parents. Il y en a qui se meurent. Mais quand vous avez des dossiers aussi importants, et que ces dossiers, je ne les entends pas parler par ceux qui ont la porte-voix officielle. Qu'est-ce que vous voulez que moi je dise? C'est un constat. C'est un constat. Je ne peux pas parler de ceux qui sont à la SNCC ici. Je ne parle que de ces vieillards-là. Ils ont tous aujourd'hui, vous comprenez, 2015, 2016, 2017, c'est environ 8 ans. Quelqu'un qui avait 65 ans, aujourd'hui, il en a plus de 60, il en a 73, donc 73. Donc, s'il faut évaluer les mandats des élus de la montagneuse du Délicacy depuis 2006, l'évaluation est négative. Ben, je peux dire oui. Je peux dire oui parce que... Tous les députés déjà élus à l'ICACI ont tous échoué. Non, ça je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas... Qui a réussi selon vous? Non, attendez. Je ne suis pas là, je ne suis pas un porte-parole de qui que ce soit. Je suis venu pour parler de moi, de Jean-Rémy, et de mes projets, et non, de parce que vous venez là d'évoquer quand même les quelques je cas suis précis habit- qui démontrent qu'ils n'ont pas fait leur travail comme ils s'étaient. Je suis un habitant de l'ICACI. Je vous ai dit que j'ai fait mon parcours au secondaire ici, même si je n'ai pas terminé. Je n'ai pas eu mon diplôme ici. C'est l'année, la sixième année qui m'a manqué ici. Mais je connais ce que c'était cette ville. Moi, je vous dis que c'est un peu partout. C'est tous les députés d'une manière générale. Il y a quelques cas particuliers dans certaines provinces où vous sentez qu'il y a eu quand même des porte-voix des députés. Mais ici, chez nous, n'est-ce pas? Il y en a peut-être ici qui ont fait quand même leurs efforts, mais peut-être qui ont mal procédé. Voilà pourquoi je ne peux pas les condamner. Depuis 2006 jusqu'en 2018, je ne les condamne pas.
parce que je ne sais pas comment, quels étaient leurs objectifs en devenant, en poursuivant cette, en voulant parler au nom de la population. Je ne sais pas quel était leur objectif, mais moi j'ai fait seulement un constat. C'est le constat, il est un peu amer. Pour dire, avec tout ce que nous avons comme argent, est-ce que vous avez vu qu'il y a même les Chinois qui vendent les braises ici? Est-ce que Kinshasa sait que, ou Lubumbashi sait que, à Likasi, là, il y a les Chinois qui vendent les braises? Si un Chinois vend déjà les braises, que ferait la maman qui est à Kikula, qui est à Kolomoni là-bas? Que le ferait cette maman qui est à Toyota? Hein? Cette maman qui est à Kokolo, je ne sais pas où, à Kambok? Qu'est-ce qu'elle ferait? C'est parce qu'il y a un étranger qui vend déjà les macales, qui vend déjà les braises. Vous comprenez? Mais ces choses comme ça, ce sont des choses sur lesquelles on peut parler. Nous, quand nous sommes arrivés en nos routes ici, ça peine, non? Ça peine, je ne sais pas si c'était la voie des députés, notre boulevard ici, l'ancienne résidence qu'on l'appelait le commissaire sous-régional, lorsque vous allez chez nous là-bas, à Pocartezout, le boulevard qui passe devant le parc, n'est-ce pas? Il est dans tous les parcs. Vous comprenez? Parfois, ça ne demande rien. Ici, sur le pont, ici, pour aller à Kikula. Parfois, ça ne demande rien. Mais allez-y dans le fond là-bas. Qu'est-ce que vous entendez par ça ne demande rien? Qu'un député puisse débourser de son argent pour asphalter? Non. Oui. Les députés peuvent faire autant de bruit qu'il faut. S'ils coalisent, n'est-ce pas? Ils prennent des paroles par motion, par ceci, cela. Là-bas, au Parlement, là-bas, va monter. Ils peuvent demander, ils peuvent diligenter des enquêtes parlementaires pour savoir pourquoi la ville d'Likasi ne se développe pas. Parce que la ville d'Likasi est gérée, n'est-ce pas? Il y a cette fille. Et ça, ils ne les font pas. Ben, je ne sais pas dire parce que je n'ai pas toutes les preuves, mais je dis seulement qu'en tant qu'intellectuel et analyste, je n'ai pas encore vu un cas qui puisse me convaincre qu'ils ont fait quelque chose. S'ils l'ont fait, je les félicite. Mais je pense qu'il ferait encore mieux si jamais ils sont réunis. Je souhaiterais qu'ils fassent mieux que ça. C'est ce que je pense pour l'instant. On a vu Joseph Kabila sous son règne, plusieurs routes asphaltées dans la montagne du Kinshasa. Sous Félix Tshisekedi, plusieurs routes. Et ça, ce n'est pas à mettre à l'actif des élus du Kinshasa. Non, je reviens encore. Il faut faire la nuance pour que ceux qui nous suivent comprennent. Je ne suis pas venu ici pour accabler. Les aînés qui ont été députés. Je ne veux pas qu'on fasse un procès de députés qui sont en fonction ou des anciens députés. Non. Vous m'avez posé une question sur quel est le rôle d'un député national. Je vous ai dit, n'est-ce pas? Maintenant, si maintenant ils ont fait leur travail et que les répondants sur terrain n'ont pas réagi, moi j'ai dit, mon constat que je n'ai pas vu comme s'il y avait eu, on a fait du bruit, c'est comme si on a parlé de ça. Vous comprenez? C'est ça que je suis en train de dire. Je ne dis pas que, je ne veux pas qu'eux pensent que moi je suis venu les attaquer, non. Je n'ai pas besoin de les attaquer parce que ça ne sert quand même pas. Je n'ai jamais été député national, je ne peux pas évaluer la fonction, je ne peux pas évaluer, parce que c'est un problème d'expérience, il faut être là pour savoir comment ça procède. Mais pour avoir eu des députés autour de moi, n'est-ce pas? Dans ma famille propre, hein, et dans mon parti, j'ai un député qui est véritablement national, c'est Eliezer. Un député qui est élu de Kinshasa, qui peut venir trancher des problèmes ici au Katanga, qui peut aller à Kisangani, qui n'a pas besoin de se faire corrompre pour faire avancer les choses. Vous comprenez? J'ai ce modèle-là. Eliezer Tamboué, c'est un cas qu'il faut étudier. Vous avez suivi beaucoup de journalistes, je ne veux pas les citer sur d'autres chaînes. Hein, parlez d'eux, vous avez autant de lois. Moi, j'aimerais bien, c'est pas encore la campagne. Au moment où nous arrivons au niveau de la campagne, on mettra sur table les bilans. Parce qu'il est facile de juger ceux qui étaient déjà en fonction que nous qui cherchons à prendre en fonction. Vous comprenez? Où est-ce qu'ils ont tous failli? Mais je n'ai pas senti qu'ils devraient plus parler de la ville. Montagnes d'éducation et développement de cette ville et de la province. C'est tout ce qui a manqué. Mais maintenant, quand vous allez dans le parler, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Parce que je vous ai montré le cas de cette route. Qu'est-ce qui fait la fierté de cette ville? Nous avions par exemple le bassin de la ville. C'est une propriété de l'État ou c'est une propriété privée? Bassin de la ville. Si vous êtes un ancien d'éducation, vous connaissez bien.
C'est que ça veut dire passer de la vie. C'était une fierté. Aujourd'hui, c'est devenu quoi? Des porte-étendards de l'UQAFI. Vous comprenez? Je ne sais pas. Aujourd'hui, là, notre boulevard, je vous ai parlé du boulevard qui passe, commence par le rond-point central, donc l'arrêt central qui descend de passant devant la maison, je pense qu'il y a la Dignape dedans, hein, je ne sais pas quelle structure de militaire qui est là-bas. C'était l'ancienne maison de conseil sous-régional là-bas. Jusqu'au sorti sur le rond-point Shell, quand on va voir Colosie. Parce que ce boulevard-là, ce n'est pas le rôle du député de venir arranger ça. Mais c'est le rôle du député de titiller sur celui qui gère pour dire « Monsieur, mais pourquoi vous ne faites pas ?» S'il dit qu'il n'y a pas l'argent, on va dire « Mais comment vous n'avez pas l'argent ?» Vous comprenez? Nous sommes dans une province minière. 081-389-33-24-081-389-33-24-081-008-14 pour vos SMS parce que l'émission est interactive. Rechargez vos unités, rechargez vos téléphones. Pourquoi? Parce que avant la fin de cette émission, vous aurez la chance d'interagir, de poser vos questions, vos nombreuses questions à l'invité que nous avons sur ces plateaux de la Centrale Radio et Télévision. On l'appelle Jean-Rémy Kanyama Mubiaï. Il est président fédéral du parti ACR, Action commune pour la République, parti cher Andeko Eliezer, au niveau de la République démocratique du Congo qui lui dirige dans la montagne de l'Ilikasi. Je les rappelle encore une fois de plus pour ceux qui nous suivent du côté de la radio, les 099-389-33-24, tout en demandant à notre régisseur de pouvoir afficher les numéros au profit de ceux qui nous suivent du côté de la télévision, 099-389-33-24. Alors, sans plus tarder, nous allons devoir évoquer certaines petites questions en rapport avec les fonctionnements de l'ONG Wakati et tout, qui mène des actions caritatives dans la montagneuse du Délicacy, seulement à la veille des élections. Non, non, c'est pas ça. Là, vous dénaturez les choses. Non, je pose la question. Seulement à la veille des élections. Non. Je vais vous faire. La Wakati, c'est un peu la prolongation de ce qu'on appelle Pesa Moninga Sourire en Lingala, le label de Élisée Tamboué, PMS, qui existait avant même de la création de l'Action commune pour la République, un parti qui est payé il y a une année et qui fait peur. Hein? Et puis, d'ailleurs, je voulais profiter pour dire quelque chose que vous avez soulevé avant de venir sur Wakati et tout. Vous nous avez présenté comme un membre de l'Union sacrée. Non. L'Action commune pour la République n'est pas membre de l'Union sacrée. L'Action commune pour la République, c'est un parti politique qui soutient la vision de Félix en tant que Tshisekedi comme président. N'est-ce pas? Ainsi, nous ne sommes pas de l'Union sacrée, mais nous soutenons le chef de l'État. En même temps, nous nous opposons à tous ceux qui s'opposent au chef de l'État. C'est un peu ça. C'est une nuance qu'il faut apporter plus importante. Et vous me posez la question, pourquoi? Parce que dans l'Union sacrée, il y a tout le monde. Nous ne croyons pas que tous ceux qui sont dans l'Union sacrée sont sincères envers le chef de l'État. Nous ne croyons pas. Parce qu'il y a des gens qui étaient hier, ils étaient blancs, aujourd'hui ils sont noirs. Hier, ils étaient kabilistes à 100%, et aujourd'hui, ils entrent à l'Union sacrée, ils deviennent tshisekedistes plus loin que tshisekedi lui-même. Donc nous trouvons que ce sont des agneaux, des loups, hein, qui se déguisent en agneaux, qui cherchent peut-être à comment retrouver une portion d'air pour respirer après mort. Alors nous disons non, nous on ne veut pas se mélanger avec ces gens que nous avons combattus hier. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, on se retrouve avec eux dans le même sac. Non, l'objectif étant de soutenir le chef de l'État. Nous soutenons le chef de l'État, en même temps, nous sommes en dehors de ces sphères-là de l'Union sacrée. Mais nous soutenons le chef de l'État. Et nous regardons tous ceux qui s'opposent ou qui sont en train de faire des actions contre le chef de l'État, qui deviennent aussi nos opposants. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup. On va d'abord suivre cet élément des reportages et revenir juste après. Si l'homme de Moussoua Amissi Karmatondo peut nous proposer cet élément des reportages, on va devoir revenir juste après. La niche accueillie par les capables, ces derniers ont bénéficié un lot d'épargne. Et qu'on a maîtrisé, il cache, il est bien. Mais parce que, en après tout, allez, je le laisse, je prends quelqu'un
qui ne connaît rien parce qu'il ne reconnaît après cache les. Lika sinakufa du tribalisme. Alors levons-nous, ma maman, disons non au tribalisme. Hein? Toujours attentif aux doléances de la population likasienne, Jean-Rémy Kanyama Mubiayi, accompagné par une forte délégation, a fait une descente au quartier Kamatanda par une recommandation des capables de ces coins. Ici, une demande a été formulée auprès de celui qu'on appelle le Baba Wabote. Avant de célébrer le premier anniversaire de la sœur, Jean-Rémy Kanyama avait d'abord visité un endroit où sera érigé un pont. Ce dernier va relier le quartier Katoka et quartier Kamatanda. Et ce projet de construction est en train d'être traité déjà afin de sauver les vies des enfants, comme nous dit un papa trouvé sur place. Nous avons tout d'abord le défaut du bateau de Yamasson. Yamasson, nous avons un peu de temps pour qu'il va traverser, c'est pas un problème. Et puis, tout le hôpital là. Tout le hôpital. On a ma difficulté pendant la saison pluvieuse, du Tambouka, la Kwenda, du Akweza Kouatounz. Il est là, il est un mois très important. C'est ainsi que tout le monde a préféré couper pont. Afin qu'il te permette, c'est pas fini. La fête du premier anniversaire du parti politique Action Commune pour la République est allée finir dans la commune de Kikula, quartier Tchati, où Jean-Rémy Kanyama Mubiayi a doté des machines à coudre toutes neuves qui serviront la population de cette partie de la commune de Kikula. Et c'est Maman Kabibi qui a réceptionné ce dernier. Sikuwazia sema vitafanika. Alinipromettre mais sikuwazie. Mais leo mambo inafika. Bila mshauri. Likasi na kufa. Pablo, ces derniers ont bénéficié de l'image. Visite et non, la population. La joie côté a profité des confédérations d'Ersère à côté à la cérémonie de la niche, c'est elle. Après cache les. Likasi na kufa du tribalisme. Alors levons-nous, ma maman, disons non au tribalisme. Hein? Toujours attentif aux doléances de la population likasienne, Jean-Rémy Kanyama Mubiayi, accompagné par une forte délégation. Toutes ces actions caritatives, depuis quand l'ONG Okati et tout était en train d'œuvrer dans la montagne du délicatif, parce que vous avez nié le fait que c'est une organisation créée à la paix des élections. C'est depuis 2021 que nous sommes là. D'ailleurs, l'élément qu'on a mis, c'est pas. Il y a des éléments où nous avons donné beaucoup de chaises roulantes à des handicapés. Okay. Nous avons été visiter une grande école de passant à FedEx. Mm. C'est une école où des enfants des militaires, j'avais souhaité qu'on mette ça. Mm. Là, nous sommes allés donner des fournitures scolaires. Okay. Alors, je voulais vous dire, ces fournitures scolaires, nous les donnons aux enfants des militaires. Or, les militaires, nous savons qu'ils ne votent pas. Vous voyez? Pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas faire la mélange, ce mélange-là dont vous parlez. Vous savez que nous, ce que nous avons, c'est plus cet humanisme, l'essence d'humanisme que nous avons. On a donné beaucoup de fournitures scolaires aux enfants. J'ai le nom de l'école est parti, mais vous avez des éléments avec vous ici. On pourra peut-être le balancer. Et on a donné ces fournitures scolaires à plus de 500 enfants. Ce sont des enfants des militaires. Et ce sont les militaires. Les militaires ne votent pas. Et quand nous avons donné ces fournitures, nous n'avons pas fait venir leurs parents. On est allé à l'école au moment où ils sortaient pour leur donner ces fournitures scolaires. Vous voyez un peu ça. Quelqu'un d'autre choisirait, ferait des bruits, appellerait les parents pour qu'ils viennent voir. Nous avons donné, et voilà, les parents diront, voilà, les militaires ne vont pas nous voter. Alors, Wakati existe depuis 2005. C'est quoi les gains? Non, c'est le sens, nous voulons donner sourire à ceux qui peuvent. Si, la Bible dit que si cela dépend de vous, n'est-ce pas? Si la paix dépend de vous, si cela dépend de vous, faites la paix avec vous. Donnez des sourires à ceux. Si je peux avoir 1 000 francs dans ma poche et que ces 1 000 francs peuvent donner des sourires à quelqu'un, je préfère les lui donner. C'est ça le sens même de notre Wakati Yetu. Ça coïncide un peu avec les échéances électorales et puis ça va ensemble.
Oui, ça ne porte pas notre nom, comme on dit, la fondation des amis des X. Des amis. Non, nous, c'est Waka, c'est quelque chose qui existe depuis 2021. Nous avons des chants, vous êtes aujourd'hui, je crois qu'à la fin dernière, vous aviez balancé nos chants, hein, nous avons récolté, on a fait moudre nos maïs, les sacs de maïs, on a maintenant la farine. Et cette farine, nous allons donner aux personnes vivant avec Afia, les femmes veuves, les orphelins ici, si possible, ainsi de suite, à ceux qui sont forts, qui n'ont pas d'espace pour aller cultiver, nous leur donnons de l'espace pour cultiver. Et ça, ça fait partie de nos actions de Wakati. N'est-ce pas? Et ces actions, quand nous les faisions, nous n'avions pas compris la décision de... d'être candidat. Non, de faire la politique de la manière active comme nous la faisons. Nous faisons cette politique active face aux abus. Nous disons, mais si nous pouvons aussi, avec le sens d'honnêteté que nous avons fait, nous pouvons l'amener en politique. Avec, si nous sommes plusieurs à être francs, à parler correct, à dire ce que nous faisons, à faire ce que nous disons, je pense que nous pouvons améliorer beaucoup de choses sur cette ville. 099-389-33-24-091-00-14. Monsieur Jean-Rémy Kanyamambiaï travaille dans une entreprise, c'est pas privé ou public, on ne sait pas. Où est-ce qu'il trouve tout cet argent? Des côtés, ces femmes ou ces handicapés en chaise roulante, des dotés des fournitures scolaires aux élèves, parce qu'on en a vu, c'était des sacs pour les écoliers de la montagneuse Bidélicacy, au-delà des sacs, les cahiers et autres que vous avez donnés en termes de fournitures scolaires et bien d'autres réalisations. Où est-ce que vous trouvez l'argent? Si pas dilapider peut-être l'argent de l'État, parce que c'est peut-être la question que les téléspectateurs sont en train de se poser, parce qu'ils ne savent pas la source de provenance de cet argent. Ça serait les impérialistes qui sont en train de financer M. Jean-Rémy pour qu'il soit député et qu'il joue la partition des impérialistes, ou bien il y a une main noire derrière M. Jean-Rémy qui est en train de les bousculer, ou bien c'est toujours Ndeko Eleze qui finance l'ONG Wakatiri. Bon, moi je dois dire que Dieu nous a fait grâce. Mmh. On a eu la chance d'étudier tout ce que nous avons appris à faire, être dans cette ville, partir de cette ville, aller faire des universités ailleurs, à l'extérieur du pays, de rentrer. Voilà que nous sommes rentrés en 2021. Nous avons eu la chance de travailler et de faire les économies de ce que nous faisons. Parce que je vous ai dit qu'en dehors de ce que la politique qui nous attire aujourd'hui, les actions caritatives donnaient des choses relances, on les a données. Qu'il s'agisse d'ici à Likassi ou à Kinshasa, où nous sommes passés aussi. Nous avons eu à étudier, on a un parcours, ça fait quand même plus de 17 ans que nous travaillons. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, la source de financement de l'ONG en Katia, tout c'est M. Jean-Louis. Oui, je ne suis pas, je ne travaille pas dans une entreprise étatique. Je suis un homme de développement, je suis un chef d'entreprise, n'est-ce pas? C'est ainsi que vous avez été avec moi, vous avez animé partiellement la conférence sur l'entrepreneuriat des jeunes. Nous allons le faire encore dans 2 semaines, parce que nous disons qu'avec une idée, avec les ressources qui sont autour de nous, nous pouvons devenir des créateurs d'emplois. On peut gagner de l'argent sur cette vie. Les jeunes chôment, parce que les jeunes ne regardent que les personnes en cravate. Parce que les politiciens ont voulu faire voir aux gens que l'argent, c'est en politique. L'argent qui est en politique, c'est l'argent volé. Parce que les gens qui vont en politique pour travailler pour le peuple, ils travaillent réellement pour le peuple. Ils servent le peuple au lieu de se servir. Jusqu'ici, nous avons comme impression que les 80% de ceux qui sont en politique n'y vont que pour se servir. La conséquence, c'est qu'ils n'est... Écoutez, on viendra sur les mandats de tout le monde, on fera les points de vue là-dessus. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec une bonne organisation, la campagne ou le faire du bien à la population ici dans cette ville ne dépend pas seulement de l'argent qui va venir des autorités morales. Je ne pense pas. Quelqu'un qui s'organise bien, qui peut faire ses affaires. Nous avons fait Wakati, nous avons nos champs que nous avons. Ça ne vient pas. Cet argent ne vient pas de quelqu'un d'autre qui nous finance. C'est notre organisation personnelle. Jusqu'ici, bien sûr, que je suis l'acteur. Le prépondérant dans la mise en œuvre, mais il y a parfois des gens qui interviennent, des gens même ici à Likassi, il y a des mamans qui interviennent, qui se disent non, voilà, nous avons, on a besoin de ceci, voici ce que nous avons, on va les appuyer.
Donc nous, nous sommes des acteurs de développement et nous sommes chefs d'entreprise. Voilà. Merci beaucoup. 099-389-3324. 099-389-3324. 081-008-1614. 081-008-1614 sont les deux numéros de contact qui nous accompagnent dans ces énièmes numéros de votre magazine. Ne nous appelez pas encore, envoyez juste vos SMS via ces deux numéros de contact. Ce qui nous permet déjà d'aborder la thématique liée au développement des 145 territoires. Parce que vous êtes... vous soutenez les chefs de l'État. C'est le programme phare presque de son quinquennat, le développement des 145 territoires. Qu'est-ce qui fait M. Jean-Henri en RDC? Autant les 145 territoires de la RDC. Voilà. Je dois déjà dire quelque chose de très important parce qu'il s'agit d'un programme de développement au niveau local. Vous savez, nous avons quelqu'un que je pourrais appeler un cadeau du ciel et que les Congolais ne comprennent pas jusque-là. Les Congolais aguerris, n'est-ce pas? Nous cherchons une classe des Congolais, une qualité des Congolais, parce que nous avons une mauvaise qualité jusqu'ici des gens. On a une mauvaise qualité des Congolais qui ne pense pas au développement, au patriotisme de ce pays. Vous savez, dans la gestion des organisations, on a des théories très importantes que je voulais évoquer. Excusez-moi, hein, je vais juste ouvrir une petite parenthèse, je vais faire un tout un peu. Arriver à pourquoi le programme de PDR de 145. Nous avons une connaissance, ce qu'on appelle la connaissance tacite, n'est-ce pas? C'est que je sais ce qui est individuel à moi. Et une connaissance explicite, c'est-à-dire cette connaissance qui revient sur l'expérience, sur l'état que je fais, la politique, l'économie, ainsi de suite. Alors, les deux connaissances mises ensemble donnent l'équilibre. Et ça amène à quelqu'un de penser rationnel. Vous voyez? Je reviens maintenant. Vous avez vu que ce programme de 145 territoires du président de la République, c'est un programme qui a été voté dans un conseil des ministres en fin 2021, c'est en décembre. Et c'est un programme qui a comme objectif de faire développer les territoires à partir, de développer le pays à partir de la base. Parce que tout le monde veut venir au centre, du coup, Le territoire qui devait alimenter le centre est délaissé. Et les gens vont se plaindre de la faim. À l'Ikassi, par exemple, parce que les gens qui sont à Kibilabalenda vont vouloir, venir ici. Okay. Les gens qui sont vers Mitoaba vont vouloir arriver à l'Ikassi. Mm-hmm. Pourtant, ils peuvent déjà être servis là à partir de Kilalaoui. Voilà. Alors, l'objectif de ce programme de 145, du développement des 145 territoires, oui. Ce n'est pas seulement un objectif pour construire des infrastructures dans les milieux ruraux. Non, c'est aussi, ce n'est pas seulement ça, mais c'est aussi pour booster, déclencher l'élan de développement économique au niveau de la base. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner par exemple des statistiques que je les regarde un peu. Le programme avait prévu pour construire 1198 écoles dans les 145 territoires. À ce jour ici, il y a près de 553 écoles qui sont construites. Presque la moitié. Oui, presque 553 écoles qui sont construites dans lesquelles les enfants sont en train d'étudier avec des bancs. Ok? Les gens qui tiennent, qui hésitent sur ça, ils n'ont qu'à descendre dans les territoires. Ce n'est pas seulement passé à la télé. Il faut. Nous avons dans ce même programme, il était prévu la construction de 786 centres de santé modernes. Ce sont des centres de santé de référence. C'est-à-dire dans ce centre de santé, on peut même y appliquer des opérations, les médecins peuvent aller là-bas et ainsi de suite. Ce sont des centres de santé de qualité, n'est-ce pas? À ce jour, on a déjà construit 360 qui sont achevés et terminés. Vous voyez? Il est prévu de construire 145 bâtiments, donc c'est un bâtiment administratif, comme le gouvernement de Lubumbashi, c'est un bâtiment administratif, pour donner l'exemple à ce que je suis. Ce genre de bâtiments seront construits dans tous les 145 territoires choisis. À ce jour, il y a déjà 47 bâtiments qui sont sortis de terre, ce n'est pas neuf. Vous comprenez? Déjà inauguré. Bon, je ne peux pas dire si ça a été inauguré parce que le chef d'État ne passera partout pour inaugurer. Mais les écoles déjà, il y a des enfants qui étudient. Vous voyez ça? Ça, c'est quelque chose de palpable et de réel. Autour de nous, maintenant, nous pouvons parler aussi de notre village chez les chefs Panda ici. N'est-ce pas?
Vous voyez que le chef est en train, la décision de remplacer toutes les cases par des maisons de qualité de deux chambres en salon, n'est-ce pas? À ce jour, c'est près de 250 maisons, ça côté de l'Ikassi. Oui, tous ceux qui vont vouloir contester, parce qu'ils vont poser des questions. Avant de poser des questions, il faut aller d'abord à Kabongola pour voir chez le chef Panda qu'est-ce qui est fait. À Kambor ici, à Kapolo ici, il y a les routes, n'est-ce pas? Donc, l'implication de. C'est ça que nous avons dit, des effets en économie, on parle des effets, des effets d'entraînement. C'est-à-dire quand vous. Donc, même les territoires des Kambo bénéficient déjà du développement des entreprises. Mais je demande au Thomas d'aller vérifier. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Mais il y a des routes. Il y a la route. Il y a les constructions de bâtiments administratifs. On aille les chercher, on aille les voir. Moi, je dois vous dire une chose. À Mutuaba. Parce que quand on parle de la ville d'Ikassi, on oublie parfois, on voit seulement la ville-centre. Mais il faut voir aussi les territoires dépendants. Il y a Mutuaba. À Mutuaba, posez des questions. On va vous dire. Les enfants, les écoles qui sont sorties des terres à Mutuaba, là, il y en a une. L'école là où je suis allé donner des fournitures scolaires, il ne fait pas se galer à cette école à Mutuaba. Bon. Oui, je vous dis. Je vous parle déjà de la route de Kilela-Balanda. Hein? Vous-même, vous savez, vous êtes un ancien d'Ikassi. Les femmes ont combien enceintes qui couraient pour venir de Sadako pouvaient perdre la vie sur la route 3 jours pour arriver. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est le temps? Il y a même des routes en terre battue qui sont des routes correctes, qui sont faites. Moi, je pense que, c'est ce que je disais par rapport à la théorie que j'ai un savant, c'est quelque chose qui a été déclenché en 2022. Hein? Aujourd'hui, nous commençons déjà à vivre les retombées de celle. Vous comprenez que les enfants qui vont vouloir venir étudier à l'Ikassi vont rester. Les parents qui vont vouloir quitter pour suivre leurs enfants ici à l'école vont rester. Ils vont être des bras séculiers pour le développement à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas mieux que ça pour l'instant. 099-389-33-24, 081. 00814. Pour vous, les programmes du développement des 145 territoires rend les bilans du Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo positif. Oui, mais écoutez, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous définissez? Qu'est-ce que vous entendez par le bilan? Je ne sais pas. Voilà. Parce que le bilan peut être positif sur un point, il peut être négatif donc, sur un autre. Dans le développement des 145 territoires, tout est positif. Mais il n'y a pas meilleur, il n'y a pas un chef-d'œuvre comme celui-là. Tout Congolais patriote doit comprendre que le monsieur ici, il est vraiment venu pour faire avancer le Congo vers son développement. Ah bon? Oh, bien sûr, le discours que vous tenez là, alors là, vous ne tiendrez pas ça. Vous avez suivi le gouverneur Djaboula, quand il a accompagné le chef de l'État dans l'inauguration de sa terre de France. Vous avez vu le port là? Là-bas, Voilà. 300 caméras, ça veut dire que tous ceux qui pensent qu'ils sont en train de voler nos minéraux là, on va voir par où ils vont passer à passer ça. Maintenant, c'est là qu'il y a maintenant les types d'hommes. On doit enlever la médiocrité. C'est là qu'il faut enlever la médiocrité. Parce que le Félix peut tout faire. Mais s'il n'y a pas les hommes bien éduqués, à une bonne moralité, qui viennent gérer ces choses, ça risque d'être comme une boutique, d'être comme une épée dans l'eau. Moi, ce que je condamne, ce que je peux aussi condamner, c'est que le chef de l'État n'a peut-être pas les personnes qu'il fallait avoir pour faire parler de son bilan. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Plusieurs choses sont faites dans plusieurs territoires. Les écoles de bonne qualité. Vous savez, dans ce pays ici, il y a des coins où pendant que nous sommes à la télé ici, les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est la télé. Qu'est-ce que c'est la télé? Allez-y à Katoka ici. Katoka. Nous sommes à l'Ikassi, c'est à moins de 10 km. Passer le pont, passer la route Colisi, là-bas, monter un peu quelque part et puis entrer. Vous allez vous rendre compte, est-ce que vous êtes à l'Ikassi ou vous êtes, je ne sais pas, à Malemanko, je ne sais pas. Allez-y. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre que nous, les gens font le bruit seulement sur des politiques politiciennes, mais ils ne se soucient pas de ce qu'est vie. Comment on saura que vous avez montré un coup de pont?
Vous savez qu'à côté des ponts là que nous allons mettre, parce que c'est pour les piétons, juste, on veut juste relier les quartiers. Il y a un hôpital à côté. Donc s'il faut prendre un enfant qui tombe malade du côté de Castro, de ce côté, s'il doit arriver à cet hôpital, il doit rentrer par la route Colosi, venir jusqu'au niveau de ici sur le rond-point, et puis rentrer dans les quartiers comme s'il va vers Brasserie. Mais pendant ce temps, l'enfant est décédé. Ou la maman a fait fausse couche en route. Ou quelqu'un qui avait un problème d'AVC, il s'est fini. Alors qu'il y a un hôpital qu'on sait voir. Vous voyez ça? Moi, je pense que c'est un problème de bonne foi et de volonté. Dans ces pays, si nous devons... Et puis, il y a d'autres mots qui gangrènent le développement de notre nation et de notre ville ici. C'est le tribalisme. On doit cesser avec cette histoire-là de tribalisme. Parce que maintenant, là, que les gens sont en train de courir dans la misère là-bas, où est votre frère, là? Où est votre soeur, là? Pendant que vous courez à l'hôpital, vous êtes malade. Vous arrivez la nuit à l'hôpital, vous avez un enfant qui respire à peine, ou vous-même, votre femme, ou vous-même, vous respirez à peine pour qu'on vous soigne. Et puis vous devez entrer dans la salle d'opération. Le médecin sort, vous dit, bon, c'est bon, vite, dans la salle d'opération, préparez-moi la table, on prépare tout le matériel, on arrive. Qu'est-ce que vous dites? En ce moment-là, vous faites des 100 pas. Votre objectif, c'est quoi? Vous voulez que votre femme, votre parent qui est dedans, sorte sain et sauf, vivant. Si c'est votre femme qui est allée accoucher, sorte avec son bébé vivant et la femme vivante aussi. C'est ça que vous voulez. Mais vous ne vous posez pas la question, mais quelles sont les mains qui touchent les bistouris? Quelles sont les mains qui ont porté les gants pour toucher à ma femme ou à mon enfant? Ces mains-là, sont-elles les mains de votre Rabbi là? Merci. Merci beaucoup. 099-389-33-24, 081. Certains vous diront que tout ce qui s'est fait dans les territoires des Cambo n'est pas que développement des 145 territoires. Il y a la redevance minière aussi qui joue la partition. Mais effectivement, tout ça, ce sont les effets d'entraînement. Lorsque vous avez un visionnaire qui vous propulse, il vous met sur la route. Lorsque on vous prend, on vous met sur le terrain. Bon, je voulais dire quelque chose qui n'est pas, je ne peux pas dire ici, n'est-ce pas? Lorsque vous vous mariez, vos parents ne vous ont pas dit ce que vous devez faire pour avoir des enfants. Je suis désolé de le dire. N'est-ce pas? Ils sont contents. Parce qu'ils savent qui vous êtes. Lorsqu'on vous met sur le terrain pour marquer, pour faire gagner l'équipe, on fait confiance à votre talent. Donc il y a des gens qui ont des talents là-bas, Cambodge, n'est-ce pas? Qui saisissent les opportunités offertes par la vision actuelle du chef de l'État et qui saisissent pour faire chacun. Est-ce que quand nous parlons, je m'excuse, je suis de Haut-Katanga ici, mais je veux parler de Lualaba parce que ça fait partie d'une province, je suis RDC. Moi, je suis RDC partout. Madame la gouverneure de Lualaba, ce qu'elle fait là aujourd'hui, est-ce que c'est Tshisekedi qui lui a dit de faire ça? Est-ce que Tshisekedi? Non. Mais elle met sur le plateau les meilleurs d'elle-même. Elle a le souci pour que la province de Lualaba se développe. Il utilise en bon escient, bien sûr qu'on va dire que non, il a aussi ses défauts, oui, c'est une personne humaine, il a ses défauts, mais il a du positif, on sait les voir. Tout le monde a cours aujourd'hui. Parce que vous voyez l'aéroport moderne qui est construit là-bas, c'est plus que l'aéroport d'Engie. Moi, j'étais à Lualaba il n'y a pas longtemps, j'y serai encore. Je vous dis, les guettes que vous allez voir là-bas, c'est comme si, moi je vous dis, si nous avons déjà tous cet esprit de dire, concentrons-nous pour d'abord servir les autres avant de nous servir. De toute façon, en servant les autres, vous vous servez aussi. Mais les gens se servent mal. Vous voulez d'abord vous servir trop. Quand quelqu'un vient au pouvoir, parce qu'il n'est jamais monté dans l'avion, quand quelqu'un vient être devenir député, je suis désolé de revenir sur ça, et puis il monte dans la business class, et puis il commence à faire les selfies. Vous comprenez, j'en ai vu plusieurs, il veut faire les selfies, il veut montrer qu'il est monté dans le business class, mais le temps qu'il va terminer cette adolescence-là, quand est-ce qu'il va penser à la population? Vous comprenez? C'est tout ça le problème, c'est un problème d'éducation. Il veut rouler dans une voiture carrosse pour qu'on sache qu'il roule dans une Jeep. Moi je vous rappelle, je ne veux pas vous couper, dans cette ville ici, nous avions des téléphones. On a obligé les téléphones sans fil, et avec fil déjà.
dans les années 91, 92, tout ça. On utilisait les téléphones fixes, nous, aussi, là-bas. Moi, je pouvais échanger avec mes amis, les femmes, là, ici. Où il y avait les téléphones fixes. Avec fil, on parlait. Donc, vous pensez maintenant que le téléphone, ça peut être un moyen de se faire valoir. Nous allions de... Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Moi, je pense, aujourd'hui, ce qui se fait sur tout ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est savoir à l'actif du président Félix Tshisekedi. La population de Lualaba, de la population de Katanga, l'a dit de manière générale, ceux qui sont en train de vivre, ceux qui sont en Mitoba aujourd'hui, vous allez leur parler du négatif du chef de l'État. On va dire non, le social, les gens n'ont pas mangé. Mais attention, lorsque vous devez manger, vous devez cultiver. Et ça prend du temps, n'est-ce pas? Ayez d'abord les terrains, vous cultivez. Souffrez dans le pays, mais quand vous avez les bases solides, le manger, ça va être automatique. 099-389-33-24, 081-008-14, parlant politique, en République démocratique du Congo avec l'opération des dépôts des candidatures à la présidence de la République, on a senti une véritable tension entre acteurs politiques, Denis Mukwege qui clash sur les chefs de l'État et c'est ici aussi après les dépôts de sa candidature. Il fait un discours qui semble s'attaquer à l'homme de Denis Mukwege et à certains candidats à la présidence de la République. Pourquoi de telles escalades? Bon, escalade dans le chef de qui? Entre candidats à la présidence de la République. Ben, moi vous savez, le chef de l'État, dans tous les pays, il se respecte parce que nous voulons toujours faire référence aux États-Unis. En Europe, n'est-ce pas? Dans tous ces pays-là, le président de la République, s'il se représente, on dit non, il ne va pas campagne avant, non, il ne va pas campagne avant. Le président de la République a les prérogatives. Il peut dire si vous me renouvelez, si vous faites ceci, le président de la République le dit. Moi, je dois déjà dire que moi, si j'étais le conseil de chef de l'État, je condamne quand même cette façon, ce mot-là. Moi, je crois qu'il a voulu donner des plumes à quelqu'un qui n'en a pas, tout simplement. Parce que lorsqu'il dit que le Congo n'est pas un corps humain, ouais, il faudra n'est pas un organe pour que ça puisse marcher. C'est des points, de ce point de vue, j'ai dit quand même que c'était pas le moment pour moi. Ce que je condamne dans ça, c'est qu'il c'est le mot à donner les plumes à une personne qui ne méritait pas d'en avoir, tout simplement. Mais de toute façon, il n'en a pas eu ces plumes, parce que ce sont des plumes qui sont sorties en dessous des aisselles. Ce n'est pas encore sorti, donc il ne peut pourquoi pas... Pourquoi Denis Mukwege semble faire Denis Mukwege, le docteur. C'est de lui que vous voulez parler. Voilà. Lorsqu'on parle, on dit que le Congo n'est pas un organe ou un corps humain où il faudra remplacer un organe pour que ça puisse marcher. On fait allusion à qui, selon vous? Je ne souhaiterais pas qu'on ferme votre chaîne parce que... Non, on fait allusion à qui? C'est la question. Non, docteur Denis Mukwege, c'est un papa que je respecte. C'est un intello qui mérite son respect. Les prix Nobel de la paix 2018. Oui, mais attention, attention. Maintenant, le compte, c'est là qu'il a dénaturé son combat. Je pense qu'il aurait mérité... Les réparateurs des femmes. Oui, les femmes, ce ne sont pas des gens pour les réparer. C'est un peu de respect déjà pour les femmes qui nous ont mis au monde. Et ce que je voulais dire, c'est quoi ça? Ce que je voulais dire, c'est que le docteur Denis Mukwege a fait quelque chose. Il a contribué à sa manière à la violence faite à la femme. À la... Il a contribué positivement ou négativement? Positivement. Mm-hmm. Dans ce qu'il a fait sur les femmes qu'il a reçues dans son hôpital de France. Et il les a réparées. Bon, je vous conseille de les faire. Ça, c'est ce qui s'est dit. C'est le fond de son combat. Voilà, voilà. Il répare les femmes, oui. Voilà, c'est ça la médiocrité. Vous voyez, lorsqu'on veut faire la politique, et qu'on n'est pas prêt pour ça, on est juste n'importe quel terme. C'est ainsi que le président ne peut pas. Est-ce que le président pourrait revenir sur les réparer? On ne répare pas une femme. Une femme, c'est un être à respecter. Les mamans doivent être respectées. Qui ne se met pas à genoux devant sa femme? Vous allez réparer une femme comme moi. Parce que vous avez vu une femme bisexuelle et vous l'avez. Non. Et puis, aujourd'hui, ces femmes-là qu'on réparait sont où? Grâce à l'embargo qu'on a mis sur les groupes armés, la diminution de cette... On viole les femmes même ici à l'État. Vous comprenez? Ah bon? Bien sûr.
Vous pensez qu'il n'y a pas des gens qui sont des hommes qui sont un peu peut-être brûlés, qui violent aussi? Non, il y a certains maris qui violent leur femme. Parce qu'ils estiment que là, il est posé et puis la violer. Non. Tout acte sexuel entre l'homme et la femme mariée n'est pas forcément un acte consentant. Donc il y a des viols qui se font dans le ménage. Je ferme la parenthèse, on reviendra sur d'autres émissions, mais j'ai dit seulement que docteur, vous faites, c'est un monsieur à respecter, il a fait son temps. Mais seulement, j'estime que c'est son droit en tant que Congolais de poser la candidature, mais moi, à sa place, je lui ai demandé de garder toute sa hauteur en tant qu'intellectuel. Il devait rester comme sage. Parce que maintenant qu'il se met en politique, on doit le traiter comme un homme politique. N'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, France, prix Nobel de la paix. Les prix Nobel, il ne faut pas que les gens pensent que ce sont des primes qu'on donne. N'est-ce pas? Mais qui finance? Qui ont financé ces prix Nobel de la paix? Ceux qui ont financé les organismes qui ont donné les prix Nobel de la paix. Et regardez ces gens-là qui ont financé, les financeurs, comparez-les avec les Rwanda qui nous attaquent. Sont-ils les mêmes ou pas? S'ils sont les mêmes, alors vous comprendrez, vous devez suivre mon regard. Vous comprenez ça? Maintenant, par rapport à la communication du chef de l'État, moi j'estime que... Les chefs de l'État n'ont pas bien agi, selon vous. J'aurais souhaité qu'il a bien agi ou il a mal agi? Non, réagissant. J'aurais souhaité qu'il ne me le dise pas dans cette affaire-là. Si c'était moi. Parce que j'ai estimé qu'en le disant, il a donné l'importance à ça, oui, il lui a donné de l'importance parce qu'il lui a permis de réagir. Ouais, une souris naine qui veut devenir un peu comme, hein, attends, c'est comme un petit garçon qui te titille sur la route. Si tu les gifles, c'est pas le petit, c'est pas, tu lui as donné, regarde le garçon là qui est le DG de Centrale TV avec du flet. Ça va faire du buzz là. C'est ce que le chef aurait dû éviter en disant ces mots-là. Mais du reste, moi je donne raison. Je donne raison et puis au moins la campagne, je pense qu'on va en avoir plus. 099-389-33-24, 0-89-389-33-24, 081-00-14, en parlant toujours de l'opération, du dépôt des candidatures au niveau de la présidence de la République. Certains auraient déposé leur dossier sans qu'on leur exige d'apporter peut-être les originaux, mais pour certains, on exige les originaux. Est-ce qu'on a encore peur d'un autre candidat à qui on a exigé les documents? Qui a peur de qui? Je ne pense pas. Je vais vous dire la vérité. Est-ce que ce n'est pas une façon de désacraliser le travail des notaires dans ces pays? Parce que chaque document est quand même notarié. Et le notaire ne peut jamais notarier un document. Ou une photocopie ou une copie d'un document. Le notaire exige toujours les pièces ou les documents originaux pour arriver à notarier. Alors, si le notaire a déjà notarié un document et on vous amène la copie, vous exigez les originaux, donc vous remettez en cause le travail de notaire que nous avons dans ce pays. Non. C'est un travail noble. Le travail de notaire, c'est un travail noble. C'est un travail qui exige d'avoir à leur tête des Congolais de qualité, de bonne qualité. Nous avons, d'une manière générale, nous avons des Congolais de mauvaise qualité, à des postes qui demandent un certain niveau de moralité. Voilà pourquoi nos diplômes, nous qui sommes allés étudier à l'étranger, n'est-ce pas? Je vous dis que nos papiers étaient remis en cause avant de les accepter. Ça, il fallait que ça passe par plusieurs tamis pour qu'on dise que non, c'est du vrai. Pourtant, c'était notarié. Vous comprenez? Nous avons des Congolais de mauvaise qualité à des endroits, à des postes qui demandent un degré de moralité élevé. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. Moi, je ne sais pas de qui vous faites allusion, mais s'il y a eu ces choses, je dois vous dire que notre administration était foutue. Moi, je connais quelqu'un qui s'est fait réduire son âge sur des papiers officiels de 10 ans, alors que son jeune frère a... Donc, lui, il est... Il est de 75, il est devenu de 85 pendant que son jeune frère est de 78, celui qui vient après, il est de 82. Mais son papier est authentique, validé par un notaire. C'est de la mauvaise qualité. Vous comprenez? Ça, c'est de la mauvaise qualité. Alors, devant ces papiers comme ça, ça doit faire doute. Parce que d'une manière générale,
pendant les 20 années que nous avons eues ici, l'objectif c'était qu'on a, torpillé notre administration à tel point que vous ne pouvez pas trouver les papiers authentiques. Il n'y a que dans les écoles comme nos écoles ici, comme tous tes amis ici, je suis sûr qu'il y a des bons archivages et d'autres écoles que je respecte ici, comme des Moustaoui, des Moussouf et des autres. Mais dans certaines institutions, je pense que vous avez trouvé du désordre. Donc, sur ce point de vue, je ne pense pas que si... Donc, vous ne connaissez pas les candidats qui ont exigé les documents aussi. Non, mais je sais que le candidat, à moins qu'il y en ait un autre, les candidats que nous avons entendus, il y a eu des problèmes de documents, sinon c'était le Moïse Katumbi. Mais je pense qu'il a déposé, non? Je pense que le même soir, les gens ont dit que... Parce que le même n'est pas... On dit qu'il est venu déposer les documents originaux. Merci beaucoup, merci Monsieur Jean-Rémy. Mais je voulais dire un mot, laissez-moi dire un mot. Donc vous vouliez... Moi je ne... Non, voilà. C'était juste une question quand même. Voilà, non, non, les candidats on les connaît, mais je sais qu'il a déposé. Après nous attendons que tous les candidats, l'heure de ce soir... Validé, soit regardé. Mais je voulais dire un truc important. Aujourd'hui, je veux parler de l'opposition. Vous avez suivi ma préférée. Il s'est pris à Moïse Katumbi, il s'est pris à Mukwege. Il reconnaît que Mukwege, c'est lui le candidat pour la moralité. Mais il ne voit pas être, il ne peut pas être un candidat. Lui-même, il s'estime être le candidat commun de tout le monde. Pendant que lui-même ne voulait pas aller aux élections, lui-même va aller aux élections. Lui-même, là, en 2018, il ne voulait pas aller aux élections avec la machine à voter. Et lui-même, là, il est venu aux élections. Quand il a échoué, il a crié. Vous comprenez? Maintenant, tout ce monde-là, eux-mêmes, ils s'attaquent. Ils étaient les quatre leaders. Aujourd'hui, qui est leader et qui ne l'est pas? Maintenant, chacun va vouloir dire que non, non, Félix a triché. Non, regardez, Félix va être élu. Les observateurs seront là. Et tous, nous allons mettre des observateurs partout. Des témoins partout. Comme ça, on va voir. Parce que les gens veulent tricher. Les gens ne sont plus à même d'aller aux élections. Ils ne sont pas bien organisés. Ils commencent à se torpiller. Tu as vu Moïse a tiré sur tout le monde, tous les autres. Pour lui, il a tiré sur tous les autres. Y compris sur Moïse. Fayoumi. Il a tiré même sur Moïse. Vous comprenez, avec des termes qui ne sont pas des termes liés. Parce que maintenant, on commence à nous vouloir nous parler des choses, des genres, des choses comme ça. On ne comprend pas très bien où est-ce qu'on parle. Donc, finalement, je pense que regardez les Congolais de mauvaise qualité. Parce que nous avons aujourd'hui, vous avez évoqué le point de Ouazalendo, je reviens. Ouazalendo, ces groupes d'autodéfense, ce n'est pas un truc spirituel. Ça, c'était un montage des gens qui veulent torpiller. Les Ouazalendo ne sont pas Goma. Moi, je vais à Goma régulièrement, j'ai une équipe que je supervise là-bas. Ouazalendo ne sont pas Goma. Ouazalendo, c'est dans la périphérie, dans les villages. Ce sont ces jeunes gens qui sont en train aujourd'hui de récupérer nos territoires. Avec quels moyens? Mais ils se sont organisés. Qui finance? Ah, ben, je ne sais pas, ils s'autofinancent. Tu sais que nos collègues, nos compatriotes de l'Est sont financièrement économiques. Hein. Quand vous allez à Butembo, je vous dis. Donc vous pensez qu'un mouvement des jeunes, par exemple les jeunes de Wakati et tout, peuvent s'autofinancer et se doter en armes de guerre et faire la guerre contre une rébellion lourdement armée et ayant toutes sortes de munitions? Cette rébellion n'était pas lourdement armée. Ça, c'était des affabulations de Antonio Guterres pour créer une balkanisation. Ce n'était pas ça. Il a parlé des armes sophistiquées. Mais on a coupé d'où venaient les armes sophistiquées. Les Américains ne donnent plus les armes. Vous savez, ça pendant 20 ans, combien d'armes ont été récupérées par des groupes armés là-bas à l'est du pays? Les armes sont là. C'est un problème. Maintenant, ici, heureusement pour nous, les armes sont entre les mains des patriotes. Parce que le gouvernement, d'une manière officielle, le gouvernement doit respecter les accords, les cessez-le-feu. Mais le Ouazalendo, et ils se sont décidés d'attaquer. Et vous voyez que quand ils les attaquent, ils récupèrent, les FARDC viennent. Ils attaquent. Mais est-ce que vous avez suivi un opposant, un seul, saluer la bravoure de ces jeunes gens qui sont en train de récupérer ces territoires? À Massissi aujourd'hui, les députés de Massissi vont être votés. La population de Massissi va voter.
Parce qu'ils ont retrouvé la liberté. Nos enfants qui sont là-bas vont retrouver le chemin de l'école. Vous avez compris? Donc, aujourd'hui... Est-ce que c'est juridiquement prouvé tout ça? Juridiquement prouvé dans le sens de dire, est-ce que la loi permet à un groupe d'autodéfense de chercher à récupérer les villes, les villages, les territoires au profit de la RDC? Vous connaissez comment a commencé la Révolution française? On en reviendra sur le sujet. Merci beaucoup. J'ai permis aux téléspectateurs, on va prendre quelques appels rapidement. Ceux qui ont des questions à pouvoir poser à notre invité, c'est le moment. On vous accorde la chance. On a Pita en direct. On a posé question à quoi invité à Tadjibou. Donc, on a besoin des questions constructives et qui peuvent aider la population de la montagneuse Vigeligasi. On va prendre ce tout premier intervenant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Trésor. Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur Trésor. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Alex Sincère. Vous avez la parole. Oui, en tout cas, je suis étonné de constater que... Monsieur Moussou, est-ce que vous pouvez nous aider avec le volume du retour pour que nous puissions appréhender les points de vue des téléspectateurs? Oui, je disais, ça m'étonne de constater que votre invité est en train de parler d'une chose de son projet. Il est en train de montrer comment les gens de montagne territoire... qui est presque un village, considéré comme un village. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de pont. Alors, comment est-ce qu'il peut louer que le projet 145 territoires est une réussite? Mais aussi par rapport à la question de, qui concerne les Ouazalés pour la grave. Mais comment est-ce que les FARDC n'ont pas su conquérir la partie occupée, qui était occupée par les ennemis, mais un groupe des civils parvenir à faire, donc à réussir cette mission? Est-ce que ce n'est pas, on ne s'attend pas, on ne peut pas s'attendre à quelque chose à la longue, comme quoi c'est l'Ouazalendo, c'est aussi un groupe armé qui commence à réclamer aussi, c'est pas moi, être récompensé par les gouvernements. Donc autrement dit, tout ce qu'il est en train de citer comme bravoure, comme prouesse du régime en place, moi je trouve que ça n'a pas de place. Merci beaucoup, merci de votre préoccupation. 091-389-33-24, 081-389-33-24, 081-0814, 081-0814. On a eu temps à poser question à Yako, invité à Takujibuya. Pas d'injure, pas d'attaque personnelle. On a juste besoin de vos questions, de vos préoccupations et autres au niveau de la ville de Likasi. Alors bonsoir. Oui, allô, bonsoir monsieur le journaliste. Bonsoir, à qui est bon l'honneur et votre question? Oui, moi c'était une plaidoirie que je voulais un peu l'aider. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre téléviseur, s'il vous plaît? Oui, ok. Ce que je voulais juste demander. Ok, allô? On a il est parti 089-389-33-24, 081-389-33-24, 081-0814. Vous avez des questions, vous avez des réactions, des suggestions et autres, prière d'appeler, c'est quoi votre appréciation de différents points de vue émis par notre invité, parce que lui pense que le développement des 145 territoires, c'est une réalité, c'est pas du chimère. Tout le monde est en train de vivre le développement des 145 territoires. Il a évoqué plusieurs réalisations dans les territoires de Tambov. Êtes-vous pour ou contre l'évolution ou la réussite du développement des 145 territoires? Vous avez la parole. Bon, je voudrais déjà répondre à notre premier téléspectateur. Je voudrais dire ici que nous n'avons pas, on ne peut pas parler d'une réussite d'un projet qui est en cours. Le projet est en cours, il est en train de se mettre en œuvre au fur et à mesure. Permettez qu'on prenne cet appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur le PDG. Oui, bonsoir, le PDG des camions Toro Saoutine, quoi. Madame Salimia, invité, oui. Madame Ouzé Zahir. Tu m'as cité, Mambo Bawazalendo. Mouiloué Bawazalendo. Mais quelque part,
on peut que le chiffre qui est à gouvernement est assez. Et quoi inviter par le gouvernement, Job Saïdia Nani FRDC. Et assez, il n'a pas de possibilité à Wazalendo, mais ils vont avancer par moi dans la M23. Moi, je suis pas M23 avec eux, alors inquiété. Mais quand je vois Wazalendo, par exemple, dans la possibilité à Wazalendo, Nani Wazalendo, je vais attaquer RDC. On est M23, on a valu à Yassin Johanna pour attaquer Nani RDC. On peut créer le fil par les poches. C'est un membre de ma territoire. Bon, tout le monde est chien et pas la ville. Pourquoi tu y as vivre? C'est le mot 3 ans. C'est quoi là? Il n'y a pas de transfert à ça. Mon 3 ans. Transfert à ça, ça te y a mot. Attaque en pompe, qu'en poule, qu'en plastique, qu'en régie des eaux. Attaque en pompe, qu'en ça. Je te parle, il y a 18 ans, il est encore à critiquer. Merci. Merci de votre point de vue. 099-389-33-24. 099-389-33-24-081-08-16-14. On prend cet appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. À qui a l'honneur de votre question? Oui, on voulait juste demander à votre invité, parce que nos enfants étudient dans une des écoles ici, Kimbanguiste et Prishindama. Les enfants, en tout cas, il n'y a pas le moyen, il y a l'engouement des enfants. Les enfants étudient dans de mauvaises conditions, il n'y a pas de bain, donc ça s'assit sur la terre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Comme il y a déjà le projet de combien de l'instant qu'on est de l'étoile, il peut nous amener un départ. Merci beaucoup de votre point de vue. 099-389-3324. On va recueillir rapidement s'il y a lieu de commencer aussi à noter certaines questions, certaines préoccupations pour faciliter en fait, les réponses que vous aurez à donner aux interventions des uns et des autres. Merci beaucoup. Vous pouvez déjà commencer à répondre. Bon, je commence par le dernier papa qui a parlé de l'école kimbanguiste. Bon, moi, je ne travaille pas au gouvernement, mais néanmoins, je vais vouloir qu'il me donne qu'il me contacte par votre numéro. Comme ça, je vais discuter avec lui, celui des écoles kimbanguistes. Donc, il peut vous appeler et me mettre en contact avec lui. J'étais en train de dire, par rapport aux 145 territoires, je disais que c'est un projet qui est en mise en œuvre. Donc, ça continue à être en mise en œuvre. Alors, aujourd'hui, je vous ai dit que sur près de 1100, parce qu'on a prévu construire 1198 écoles, aujourd'hui, on a déjà construit 786. Vous comprenez que quand nous sommes à l'ICACI ici, ce n'est pas à l'ICACI. Hein? Ce n'est pas à l'ICACI. C'est ainsi que nous allons dans les territoires. Parce que l'ICACI, la commune de l'ICACI n'est pas un territoire. N'est-ce pas? Ça, c'est une ville. Pour vivre l'évolution, pour vivre ce qui est en train d'être fait par rapport à 5-5 hectares, il faut demander aux gens qui sont à Mitoaba, ils vont vous dire, demander déjà à ceux qui vivent à Trambov, ils vont vous dire. Donc à ce jour, nous sommes à mi-chemin. Quand on aura fini avec la construction de toutes ces œuvres ici, vous comprendrez qu'on aura avancé. Donc l'objectif, je disais, ce n'est pas seulement de construire les infrastructures, les bâtisses, mais l'objectif, c'est de booster, de déclencher l'élan de développement économique au niveau local. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est en ville où il fallait manger. C'est en ville où il y a à manger. Or, à manger, ça vient de la périphérie où les gens cultivent, ils viennent vendre en ville. Donc, il faut aider les gens à faire leur développement au niveau local et puis et venir peut-être vendre en ville. Pour cela, il faut leur donner ce qu'ils sont en train d'envier en ville. C'est les écoles des enfants, ce sont les hôpitaux. On est en train de le faire. Merci. On va prendre cet appel. Allô, bonsoir. Allô, M. Trésor. Allô, bonsoir. Bonjour, M. Trésor. Bonjour. Oh là là, vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur. Oui, M. Trésor. Je peux combattre la télévision, là, quoi. M. Trésor, non, pour faire ça bien. Allô. Allô, M. Trésor, on a voté depuis Cadel. Oui. Nous avons une question que nous avons posée. Est-ce que l'honorable on est à côté n'a pas allé? Est-ce que ça fera Mitoaba? Parce que nous avons fait un mois. Et le projet à 145 territoires, il n'a pas Wapi.
Dédé, moi je suis passé à Kassinga.